Monsieur le Président, le chanteur libanais Mohamed Iskandar prévoit faire 3 concerts au Canada dans les prochains jours. Pourtant, ses chansons sont clairement des incitations à la violence contre les femmes et contre les homosexuels. On ne peut pas accepter ce genre de propos contraires à nos valeurs. Déjà, en 2012, le gouvernement lui avait refusé un visa. Est-ce que le ministre peut nous confirmer si un visa a été accordé à M. Iskandar? Et si oui, pourquoi l'avoir accordé alors qu'il lui avait été refusé en 2012? M. le Président, c'est vrai, tout récipiendaire d'un visa canadien doit répondre à toutes les exigences de l'émission de tel visa. On va continuer à faire valoir les lois du Canada.